On a une programmation qui va du mardi jusqu'au dimanche. Elle est multisite, donc elle va commencer en fait à l'espace à Saint-Paul avec une programmation un peu plus intimiste, mais avec un artiste qui ne l'est pas moins, avec quand même Kali en tête d'affiche. Kali qui va justement servir un peu de fil rouge à notre programmation, en commençant en faisant l'ouverture avec du festival avec l'espace, mais qui ensuite, le mercredi, va refaire une deuxième date à l'espace pour jouer le jeudi au TPA, au théâtre plein air, avec Nathalie Nathier en première partie et ensuite en complément au TPA le mercredi soir on va avoir également Zao de Sagazan, une pépite en fait issue un peu de ce maillage des francopholies à l'international qui est vraiment la découverte du festival et qui en ce moment est en train d'exploser au national, donc surtout ne pas rater, avec Combo un peu de jazz maloyen en première partie. Et ensuite en fait on sort de l'espace et du TPA pour arriver du vendredi au dimanche en fait à la programmation principale sur le site de la clairière en fait de la scène. Et là, c'est ça, on essaye de travailler un équilibre en fait sur les trois jours au niveau de la programmation. Donc d'avoir autant des headliners qui en plus sont de tous les styles. Hein. Ça peut être du Célassou avec de la pop, ça peut être du Dinos avec du rap, ou encore Big Flo et Oli le dimanche, Naman en reggae. Donc voilà, au niveau des noms un peu connus, on balaye quand même assez large. Et après, par contre, au niveau des découvertes, on est pareil, on a de la pop, on a un peu tous les styles. Et puis surtout, on a la zone de l'océan aussi qui est représentée, parce qu'on a Anega quand même de Maurice qui sera là. Et on a aussi Elias pour les Comores avec son rock justement accompagné de deux musiciens, donc un beau trio très énergique, très qualitatif surtout, qui nous montre que la zone océanienne n'a pas à rougir de ses talents.